Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans, je suis diplômée de Télécom Sud Paris et consultante chez Arctic Consulting depuis maintenant 3 ans et demi. J'ai entendu parler du cabinet pour la première fois parce qu'un ami me racontait qu'il allait partir à l'aventure sur une super mission avec des super clients, des super technos et surtout une super ambiance. Et du coup, moi j'ai suivi. J'ai commencé par une mission d'assistance à la direction de projet à la SNCF Réseau. L'idée, c'était de coordonner des équipes mais qui ne voulaient pas parler entre elles. Aussi, j'ai constaté très vite que des personnes dont ce n'était pas du tout le métier avaient été désignées comme chef de projet, alors je leur ai apporté mon assistance. J'ai laissé derrière moi des équipes qui discutaient entre elles. Et ça, c'est déjà une très belle victoire pour moi. Ensuite, je suis allée en mission au sein de la DSI Colissimo en tant que Scrum Master et développeuse front. Scrum Master, concrètement, ça veut dire que j'anime une équipe projet dans un contexte agile. Je suis la garante du bon suivi de la méthodologie. Et mon but, c'est de permettre à mon équipe de produire de la valeur le plus efficacement possible et surtout dans de très bonnes conditions. Je participe également au pilotage car je donne de la visibilité sur la vie de mon équipe à Arctic et à mon client Colissimo. Mon second rôle est celui de développeuse front, ce qui signifie que je suis chargée d'écrire le code qui constitue la partie visible des applications. Mais finalement, comme toute l'équipe Arctic avait envie de progresser et d'apprendre à faire un maximum de choses, on est tous naturellement devenus full stack. Cela signifie qu'à présent, nous sommes tous capables d'intervenir sur toutes les couches des applications dont nous avons la responsabilité. En tant que consultante, j'apprends à prendre de la hauteur, ce qui me permet de mieux comprendre les problématiques de mes clients et donc d'y répondre de manière de plus en plus efficace. Avec le recul, je suis très contente de moi aussi être partie à l'aventure chez Arctic Consulting.